faut le blâmer derrière au taquet. Non, c'est Attends, faut blinder les gardes, les gars, la garde. Alors, okay. Non, mais je t'ai ramené plein de bonnes choses. Viens en Martinique, en bas de l'autre. Depuis le jour. Ça va, bonjour. Bonjour Marie, mon collègue. Oui, oui. Vous voulez pas une photo pour Caroline? Caroline avait une photo de vous deux là, un côté de l'autre. Ouais. Caroline avait une photo de vous deux. Voilà, c'est pour Caroline. Moi aussi c'est pour Caroline, je crois. Ouais. Attends, Yannick, il a perdu Caroline, vas-y la photo. Tu t'appelles Caroline toi aussi? Ouais, derrière. T'as une supportrice. Caroline Caron. Alors, c'est la fille d'un collègue et c'est la fille. Ça va? Les filles sont pas là. Ah non. Regarde Francis, tu vas t'en prendre la gueule. Oui. Oui, ça pourrait bien. On n'a plus de t-shirt. Pardon. Allez, plus fort là, Yannick, tu peux. À l'arrière pour l'interview. Voilà. Tu descends. Salut, c'est un pleurier. Oh, bah, quel accueil! Ouais. Bon, content d'être arrivé? Ah, ouais, carrément. Ça a été long? Ah, oui. C'est qui a eu l'idée du parcours alors? Je ne sais pas. C'est bon. Il est là, je crois. Tu verras ça après juste. Ah, c'est lui! Parce qu'elle me reconnaît. Ouais. Quelle bonne idée ce parcours! On a bon, c'est vrai. On chauffe tout le temps. Bon, c'est quoi le sentiment ce matin en arrivant, la délivrance, ça a été... Ouais, quand on est arrivé, c'est vrai que c'était très difficile parce qu'on a souffert d'une forme d'angle de vent. C'est une route quand même très longue, le long d'Afrique, il y a pas d'alizé, on a pas mal bataillé avec nos amis Christian et Fortinette. Ça se joue à un nuage près, là, si j'ai dit, je crois qu'on a fait bloquer sur un nuage, on est parti. C'est toujours là-bas, comme ça, le charme des courses à la voile. On a la
place où on devait être de toute manière, parce que c'est vrai que je crois qu'il n'y a plus de débat sur les grands fois, ceux qui ont été encore, on les a vus et être tard, ils sont partis. Donc, parce que j'ai compris. Non, on a pas bien dégâté. Ouais, ça a été une grande bataille d'empanage, ça a été. Vous avez fait combien? On n'a pas compté, mais il y a un peu de malheur. C'est un peu à l'image de l'arrivée où il a fallu faire des jeunes à bon, en fait, vous partir tous les deux, on sait que c'est Bilou qui devait partir et voilà, t'as au pied levé, Jean-Marie était là, qu'on s'est passé tous les deux à bord. Vous connaissez bien depuis longtemps. Du coup, et grâce à cette première Jacques Vatt qui court en double, tu as pu apprendre des choses sur Yannick Pestaven, skipper au large? Non, mais... Sur la durée ou tu savais déjà à peu près? Non, j'ai vérifié certains trucs. Non, mais c'est bien dans le cadre d'une préparation de Vendée et tout ça, de comprendre vraiment le fonctionnement en interne, mais par rapport. Parce que même sur un suivi de Vendée, quand on se parle tous les jours, que ce soit par WhatsApp ou au téléphone, c'est pas le même ressenti. Et là, c'est vrai qu'on se trouve beaucoup plus de... compte de choses du mode de fonctionnement de l'homme en fait, comment c'est intéressant. Oui, Yannick, tu retiendras quoi de cette Transat Jacques Vabre de cette année? C'est quoi? Tu dois retenir deux trois choses. C'était déjà la dernière course à bord de ce beau bateau. Tout le monde est content et c'est bien, on va regarder la suite maintenant. L'avenir avec un nouveau bateau qui va arriver dans pas longtemps. Avec des grands foils sûrement. Ouais, voilà. Juste pour terminer sur la côte, il y a eu des moments où tu pensais que vous auriez pu faire une petite option, quelque chose qui aurait fait vous faire gagner une ou deux places, ou tu penses franchement qu'il n'y avait rien à faire? Non, en vitesse pure, c'est incontestable. Tu regardes les placements des bateaux, plus tu as des grandes ailes, plus tu devances, c'est clair. Non, là, on aurait vraiment pu jouer, et on l'a fait d'ailleurs pendant longtemps. Cette petite bagarre qu'on a eue avec Carlo, Pédoté et Romain Tanadou, Fortinette et Tichemère. C'est vrai que là on avait des bateaux de niveau équivalent et depuis les Canaries on a mis quand même ensemble, hein, un poids de toi ou un mois. Deux détails de nuages près, un mauvais timing, un détail de retard sur le nuage. On a le plaisir à mourir avec ces bateaux-là. Bon, voilà, des bons moments. Bon, ben, bienvenue, merci. Merci les gars, merci. Je me suis dit, il faut que je suive son exemple. Qu'est-ce qu'il a fait dans les Vendées? Il faut qu'on fasse pareil. Les mecs, là, il est là, maintenant ça a acheté. Il est là, un mouche, là, derrière. Maintenant on s'arrêtait là dans le nuage. Et après, vous avez mis pas de bol aux Canaries. Nous là franchement, moi je l'ai dit, on était opportuniste parce que je pense que moi aussi je me suis foutu où vous êtes passé. Parce qu'en fait, vous étiez dehors du vivant, mais je pense qu'il y a eu un nuage. Nous on a vu, nous on était extérieur et on a vu la base du nuage. Et à un moment donné, nous on voulait revenir et moi j'ai dit, putain, on s'est invité dedans. Si ça tombe à 10 nœuds, on y va, on y arrive.
À un moment donné, j'ai voulu faire un petit peu de sieste. J'y vois Bileu, allez, viens dehors, on jive. Et du coup, là, on jive, on commence à sortir, et j'y vois la boîte de nuages, on va changer. Les gars, hein. Ça c'est une bonne Ça c'était une connerie. Moi aussi je l'ai fait, il ne fallait pas. En fait, il y avait fallu l'esprit, les manches, les flots et les cotes au giseur. Parce que moi, des manches giseurs, c'est super. C'est une voile, la voile parfaite du bateau. Ça brille, ça libère les bateaux, ça commence à fouiller. D'accord, on a travaillé avec un